Tout d'abord, je tiens à remercier toute la population de Lualaba, tout ce monde, toute la population qui est venue nous accueillir. Nous disons merci du fond du cœur. Nous sommes partis précipitamment à Kinshasa. Tout d'abord, c'était pour participer à la manifestation qu'on a organisée par la Fondation Katangaise pour pouvoir honorer ceux qui ont été nommés comme ministres ainsi que le Premier ministre Samalou Kondé Kengé. À part cela, nous avons pu aussi essayer de voir le ministre de Tourisme. Vous êtes sans savoir que le ministre de Tourisme a choisi la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, pour la semaine touristique en RDC. Nous sommes partis échanger et voir les niveaux d'organisation, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Ensuite, nous sommes partis voir le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à la sanction à l'université de Kolwezi qu'on devait arrêter avec la faculté de médecine. Nous avons échangé avec les ministres, nous avons pu expliquer ce qui n'a pas pu être dit dans les états généraux. Il nous a compris, il nous a fait aussi des remarques, il nous a donné aussi des conditions que nous allons respecter. Ce qui est important, c'est qu'il nous a promis que les étudiants vont rester sur place, ils vont étudier ici à Kolwezi, tout en suivant les instructions qu'il va nous donner. Il y aura des professeurs visiteurs qui viendront de Kinshasa, de médecins, et le plus important, il nous a instruit de pouvoir construire une clinique universitaire. C'est ça que nous allons faire le plus rapidement possible. Donc c'est une joie pour moi de pouvoir dire à nos enfants qu'ils ne vont pas pouvoir aller plus loin, ils vont rester ici.